La femme, lors de l'onction à Béthanie, a-t-elle bien fait de mettre ce parfum aux pieds de Jésus? Cette onction à Béthanie est racontée au chapitre 12 de Saint Jean, mais aussi dans les autres évangiles. Et les détails de cette unique scène sont différents, si bien qu'ils se complètent. Toujours est-il que Jésus mangeait chez un homme, chez un pécheur, un homme qui se croyait par contre un notable. Et voilà qu'une femme, adultère, une femme de mauvaise vie, se présente avec un pot de parfum. Elle casse le pot au pied de Jésus, mais c'est un parfum de haut prix, sans doute un parfum fait d'huile sainte comme à l'époque et non pas d'alcool. Et le parfum se répand dans toute la maison. Et les gens qui étaient là, dans leur tête, se mettaient à penser, si cet homme était prophète, il saurait que les mains qui le touchent sont celles d'une femme pécheresse, d'une prostituée, peut-être qu'ils avaient couché avec elle. Elle oignait ses pieds avec ses mains et les essuyait avec ses cheveux. Voyant leurs pensées, Jésus leur dit, vous voyez cette femme, eh bien toi quand tu m'as ressuscité, toi tu n'as pas mis du parfum comme ça à mes pieds, tu n'as pas essuyé mes pieds avec tes cheveux. Tu vois cette femme, c'est une grande pécheresse, c'est vrai. Mais parce qu'elle a fait cela, eh bien ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et tu dois savoir que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Quant à son geste qu'elle vient de faire, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Or, il y avait là aussi Judas qui regardait la scène. Et Judas se mit à maugréer en disant, « C'est n'importe quoi, on aurait dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. » Jésus lui répondit, « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, pas toujours. Et ce qu'elle a fait là, elle l'a fait pour mon enterrement. » Cette femme, c'est peut-être Marie-Madeleine. Elle n'a jamais pu embaumer le corps de Jésus à son tombeau. Et pourtant, elle aurait voulu le faire. La question qui se pose donc, c'est est-ce qu'on aurait dû vendre ce parfum et le donner aux pauvres? C'est le raisonnement actuel que toute une partie de l'Église, en Occident particulièrement, fait lorsqu'il constate que certains prêtres ou même certains fidèles donnent du temps à Dieu dans la piété et ne consacrent pas tout leur temps au prochain dans les œuvres comme les banques alimentaires, etc., l'accueil des migrants. Le fait de donner du temps à Dieu par la prière leur paraît un gaspillage par rapport à ce que c'est que le christianisme, à savoir s'occuper en urgence du pauvre, du prochain. Et ils se réfèrent même, certains le disent, en fait ils falsifient le texte, au Concile Vatican II, parce qu'il a écrit qu'il fallait donner la priorité aux pauvres. Eh bien, la réponse de Jésus, elle est aussi celle de quelqu'un qui s'est occupé des pauvres, comme saint Vincent de Paul. Plus vous consacrerez du temps au Christ pour lui tout seul, et plus il vous sera facile de voir le Christ dans le malade, dans son exigence, et de vous occuper de lui avec patience. Le fait de séparer l'amour du prochain de l'amour de Dieu, qui est une tentation actuelle en Occident, du moins dans une génération, c'est une tentation qui vient du démon, celui qui divise, le diviseur, à savoir le diable. En effet, ces deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, sont parfaitement unis. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on le fera qualitativement avec le prochain. Et ce n'est pas pour rien que dans ce texte-là, on voit que Satan entre en Judas. Ça veut dire qu'il se met à mépriser son Messie parce que le message ne lui correspond plus. De la même façon, dans l'Église catholique et dans l'Église protestante, le clergé, la partie du clergé qui se consacre aux pauvres en oubliant le Christ, a tendance à vouloir la fin de l'Église dans sa structure contemplative et à la combattre durement. Il y a eu, à partir du Concile Vatican II, une vraie persécution, par exemple, des évêques, de certains évêques, de certains supérieurs de séminaires, pour les séminaristes qui étaient surpris à dire leur chapelet. Rien que ça valait rejet du séminaire. Il faudra faire une histoire de ces martyrs non sanglants.